matin, nous découvrons des sports dans le cadre d'un projet qui s'appelle Bouge, qui s'inscrit dans l'éducation à la santé, qui a été institué par les mutualités françaises. L'objectif est de lutter contre les effets délétères de la sédentarité. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire être sédentaire ? Il y a vraiment un lien entre les dépenses et ce qu'on peut apporter à notre corps. Et ça, j'ai l'impression, en tout cas, que les enfants peuvent le comprendre. C'est-à-dire que tout de suite, ils vont ressentir la soif. Tout de suite, ils vont sentir qu'ils ont faim. Ou justement, s'ils n'ont pas pris de petit déjeuner le matin, notamment avant cette matinée, bah voilà, je me sens peut-être un petit peu plus fatiguée ou je sens que j'ai peut-être un petit peu moins d'énergie pour pouvoir faire l'activité. Très bien. Le but, ça va être de lever la main le plus possible, d'accord ? Mets ta main là, juste là, ça suffit, d'accord ? Sinon, elle va essayer de toucher le plafond. Allez. La ville de Nantes, nous, ce matin, on a plusieurs éducateurs qui font participer les enfants à la boxe et au jeu collectif d'Ultimate. C'est de l'initiation, ils sont là vraiment pour découvrir, leur faire comprendre que bah, tous les bienfaits du sport, on peut les avoir près de chez soi et pas la peine d'aller trop loin. On a tout sur place pour pouvoir pratiquer. Il y aura à l'issue de cette matinée un pique-nique qui a été préparé en amont par les élèves et leurs enseignants, qui va pouvoir redonner de l'énergie suite à une matinée de sport. Allez, vas-y, mets-toi en position, lâche tout.